36 petites niçoises au cirque Medrano. Les jeunes handballeuses de l'OGC Nice se sont réunies pour un moment convivial extra-sportif. Comme c'est les vacances de Pâques, c'est une occasion pour les enfants de sortir un peu du handball. Donc on a proposé cette sortie au cirque. Donc ils sont tous répondus présents, donc pour les moins 10 filles et les moins 12 filles. Que le spectacle commence, acrobatie, voltige, les enfants en profitent à fond. Ils assistent au dressage des chiens. Jongleurs et acrobates se succèdent, de véritables prouesses techniques et physiques. Les jeunes ont les yeux grands écarquillés devant les dressages d'animaux, plus impressionnants les uns que les autres. C'est bien parce qu'ils nous montrent des animaux qu'on ne connaît pas. Ça vous plaît ? Oui ! Qu'est-ce que vous aimez ? Tout, j'aime bien les animaux, j'aime bien les acrobates. On a découvert plein d'animaux aussi qu'on ne connaissait pas. Les bisons. Non, moi je connais. On connaissait, mais j'en avais jamais vu en vrai. J'aime bien parce que l'année dernière, on ne faisait pas du tout de sortie, mais cette année, on en a fait et je suis heureuse. Une entracte pour voir de plus près les animaux. Tour de poney aussi pour les plus chanceuses. Un plaisir pour les filles de faire partie de l'OGC Nice Handball. J'aime bien parce que mon rêve, c'est d'être professionnelle au hand. Et puis, on apprend plein de choses. On apprend à faire des passes, à armer son bras, plein de choses. Il est bien et puis on apprend des choses. Quoi comme chose ? Faire des passes, à tirer. Les activités proposées par le club et le suivi des jeunes au handball séduisent les parents. C'était la première année et pour Sarah c'est la première fois. Donc depuis la rentrée, je trouve qu'elle a vachement progressé. Et après là. Les filles sont sympas, l'entraîneur aussi, enfin les filles, quoi, les entraîneurs. Et y a un bon groupe, elles s'entendent bien, je pense, donc c'est bien. Je trouve ça très très bien et c'est très fédérateur pour les enfants. C'est vraiment une très bonne idée. Ma fille a fait des activités chaque année depuis l'âge de 3 ans. C'est la première fois où c'est si bien. Ils sont bien encadrés, ils sont bien suivis, il y a des activités annexes, c'est vraiment le top. Le clou du spectacle, les éléphants. L'occasion de terminer le show en beauté avec ces mammifères de près de 5 tonnes et 3 mètres de hauteur. Un moment festif et convivial avant de se retrouver sur les parquets rouges et noirs.